Ici, c'était de le ramener dans une histoire à laquelle il appartient. Il n'y a pas un livre d'histoire de l'abstraction qui ne commence pas avec des tableaux de Picasso, alors qu'il n'est pas un artiste qui a appartenu à l'abstraction. On a aussi été confronté à l'augmentation, à l'explosion des coûts de production, comme tout le monde. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une exposition qui est un lourd investissement pour le musée, mais on trouvait que ça valait la peine parce qu'on a quand même ici probablement un des moments essentiels de l'histoire de l'art du XXe siècle.